Marie. Allô? Allô, Linda? Qu'est-ce que tu me veux? J'ai pas le temps. J'ai porté plainte contre le personnel du lycée de Marie concernant le bizutage. C'est toi qui as jugé bon de la mettre dans un lycée privé, je te rappelle. Et puis si t'avais bien rangé ton pistolet, on n'en serait pas là. Espèce de minable. T'es un lâche, un boulet, il faut que je te le rappelle, non? Si leurs avocats sont trop forts pour toi, assume les conséquences, mais fous-moi la paix. Je voulais juste aider Marie à devenir meilleure en classe. Tout ça, c'est la faute de la proviseure du lycée Saint-Antoine. Nathan, qu'est-ce que tu veux? Tu t'entêtes à appeler Linda, je vois? Elle n'a pas besoin d'un débile sans jambes qui vienne la voir pour l'emmerder. Qu'est-ce que t'as? Tu veux cogner l'infirme, hein? Tu sais quoi? Linda a acheté des nouvelles tenues aujourd'hui. Ah, peut-être pas aussi sexy que ta pute de Nicole, mais ça vaut le coup d'œil. Nicole n'est pas une prostituée! Une assistante sexuelle, c'est une pute, rien d'autre. Écoute-moi, tu continues à appeler Linda, et je te sors de ce fauteuil et là, crois-moi. Crois-moi, ça va faire mal, hein? Oh. Mon ex-femme, bordel! Oui, comme tu dis, ton ex! Ton ex! Ah, là le père du mât qui s'en mêle. T'as rien à faire ici, Nathan. Alors tu fous la paix à mon fils! Si j'étais en service. Oui, justement, t'es pas en service. Alors si vous vouliez bien nous laisser seuls avec mon fils, monsieur l'agent. Ouais, c'est ça, ouais. Fais-lui faire le tour de sa grotte, là. Claude. Hé. Merci pas. Je t'en demande pas tant. Écoute, j'aime pas trop la manière dont tu mènes ta vie actuellement, alors je crois que je vais m'écarter un temps. Mais à part toi, j'ai personne. Mais tu es ta Nicole. Et c'est largement suffisant pour me causer du tort. Nicole m'en parle beaucoup, tu sais. Ça ne s'arrête pas à des caresses. Je suis cloué sur un fauteuil, regarde. Mais c'est pas un motif suffisant. Décidément, tu changeras jamais.
je crois que l'infirme te dérangera plus. Putain, comment une femme comme toi a pu vivre avec un mec comme ça? Tu m'expliques? Il remarche. Pardon? Je l'ai croisé ce matin, il était en pleine forme. Tu devais le tuer il y a 2 ans de pas le rendre infirme. Mais visiblement, même ça, t'as pas été foutu de le réussir. Je pensais pas qu'il s'en sortirait. C'est de sa faute si Marie est morte. T'entends? Je veux qu'il crève. Je veux qu'il crève! Laisse. Mon Dieu! Claude! Tu marches! C'est extraordinaire. J'ai plus eu de nouvelles de toi. Tu m'as plus appelé, j'ai pas réussi à te joindre. Nicole, j'ai plus besoin de toi. Claude, qu'est-ce qui te prend? Comment ça, qu'est-ce qui me prend? Mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec une pute de bas étage comme toi, hein? Mais... je te reconnais plus. Tu étais si doux. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me traites de cette façon? Parce qu'il y a un autre terme. Tu es cruel. Qu'est-ce qui s'est passé? Arnaud m'a ouvert les yeux, voilà. Alors, pas. Tu me surveilles? Enfin, qu'est-ce que tu fous, Claude? Je remarche. Ça te fait rien? Oui, bien sûr, si. Écoute, j'ai croisé Nicole et elle m'a tout expliqué. C'est qui, cet Arnaud? C'est lui qui te bouffe le cerveau, là? Hein? Et puis, ça fait 3 jours que j'essaie de t'avoir. Alors, je suis passé chez toi, j'ai trouvé la porte grande ouverte. Tiens, un sac de boxe? Ben, tu devrais être content. Je deviens un homme à l'image de Régis. Ne t'avise plus jamais de manquer de respect à ton frère. Écoute, j'ai appris aussi que tu te bagarrais avec le voisinage. Mais il y a des plaintes, Claude. Et tu risques gros. T'as changé, c'est vrai. Mais pas en bien. Elle laisse tomber. C'est depuis que t'as retrouvé tes jambes que ça ne tourne plus rond. Bonsoir, madame l'improviseur. À demain. À demain, Michel. Par la mairie de la ville en raison de l'épidémie du Covid qui s'est aggravée dans la région, des restaurateurs ont manifesté tôt ce matin. Dans l'actualité de la ville, le corps de la proviseure du lycée Saint-Antoine, Anne Ducré, âgée de 42 ans, a été retrouvée morte ce matin dans sa voiture, tuée sauvagement par plusieurs coups de couteau. La police de la ville mène l'enquête. La météo de Visage-Jourdan, avec de gros orages annoncés pour ce soir.